Bon dimanche à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a passé une bonne journée, bonne soirée, ouais, slash bonne soirée. Bonsoir Romain, parce que chez toi c'est le soir. Oui, chez moi, il est 20 h. Bonsoir, de Corse. De Corse, oh, Oui. ça a l'air paradisiaque dans ton coin. Oui, c'est l'île de beauté et on retrouve le charme de la France des années 60. C'est un vrai bonheur d'y être. Ah, c'est je dois m'y rendre un jour dans ton coin de Il pays. faut. Il faut, mais fais bien attention parce que si tu t'y rends, ça va être très difficile après de trouver une autre destination de vacances. Ouais. Je n'en doute même pas. Je vois des photos de la Corse et ça, ah, c'est complètement les couleurs, la couleur de l'eau, de la mer, les fleurs. Oh, ça, c'est magnifique. Ouais, ça regroupe tout, la mer, la montagne, Ouais. c'est magique. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, très bien. J'étais avec mon fils, avec mon père, avec mes frères, donc il a fait très 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 beau. Donc je vois même que j'ai pris un peu de couleur. Là, ça me change de mon 15e arrondissement à Paris. Oui, j'ai passé une bonne journée, ouais. Merci. Et toi, est-ce que tu as passé une bonne journée? Oui, merci. Et c'est quoi la température chez vous en Corse? Oh là, j'ai aucune idée, mais je sais pas. Je peux pas te dire. Il fait, je sais pas, 27, 28. Oh mon Dieu, ok, je pensais que c'était la même température qu'en France à peu près, là, quelques petits degrés de différence, mais. Je sais pas combien. Là, à Paris, là, il fait 21, il a fait 28 aujourd'hui, peut-être, ouais. Wow! Bien chanceux. Je ne sais pas, mais comme ça. Mais il a fait très lourd, très très lourd. Il y a eu le sirocco, on a eu un vent chaud qui vient du sud. Il a fait très chaud aujourd'hui. Ah, c'est bien, il faut en profiter quand ça passe. Aujourd'hui, nous allons parler de toi, de tes romans. Tu as écrit deux romans Oui. jusqu'à date. Et également, c'est Nelly Topcher qui s'occupe d'être ton agente littéraire. J'adore Nelly. Elle est tellement, mais tellement, tellement gentille. J'adore cette femme. Je l'aime beaucoup aussi. Nelly, elle m'a contactée pour savoir si je voulais faire un live. Parce que là, je crois que la sortie de ton dernier. C'était il y a C'était plus récemment. fin de l'année dernière quand même. Ah, ok, quand même, quand même. Ouais, mais comme il y a Oh. eu beaucoup de, vous savez, avec le confinement, le coronavirus et tout ça, bon, les salons se sont débloqués qu'il y a que quelques mois, quoi. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, c'est comme s'il venait de sortir il y a 2 mois, Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît, de tes romans, de ton parcours, s'il te plaît? Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Romain R. Martin. Je suis né en 1979 à Vire. Hein, je suis normand. Au lycée, j'étais en littéraire. J'ai quitté le lycée en premier trimestre de terminale. J'ai rapidement arrêté les études pour me consacrer à la musique. J'ai été musicien pendant une dizaine d'années. J'ai sorti 3 CD. Ensuite, je me suis réorienté vers l'infographie, le montage vidéo. Pour cela, je suis monté à Paris. Durant 3 ans, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai signé un contrat avec la préfecture de police de Paris et je suis devenu réserviste de la police nationale. Et Wow. j'ai fait des missions comme ça pendant 3 ans. Souvent dans les labs, je dis 5 ans. En fait, non, mon contrat était 3 ans. Je l'ai retrouvé. Ça m'a paru plus long, mais c'était un contrat de 3 ans. Donc j'étais réserviste de la police nationale durant 3 ans sur Paris. Ça consistait à faire des missions de police dans les différents commissariats de Paris. Et à la fin de mon contrat, eh bien, je me suis mis à écrire. Voilà. Wow, quel parcours! Tu as Un touché un peu petit peu à tout. atypique, ouais. Espère que c'est pas fini, peut-être. Waouh! C'est impressionnant tout ce que tu as fait. Merci. Est-ce que tu peux nous parler de tes romans, s'il vous plaît? Parce que sincèrement, moi, personnellement, je ne les connais pas malheureusement, mais ils m'intriguent tellement. Déjà, c'est une très bonne chose que ça t'intrigue. Alors, j'ai écrit mon premier roman, est sorti aux éditions Flammant Noir. Il s'agit de Vermine. Voilà. Vermine, c'est l'histoire de Arnaud Valot, qui est un taxidermiste, qui va faire l'acquisition d'un chien.
Et son chien va mourir dès la première semaine, écrasé sous une armoire normande. Oh. Et le cadavre du chien va disparaître, et tout le récit, toute l'intrigue va être de savoir qui a dérobé le cadavre de son chien. Alors Arnaud Valot, comme souvent dans mes personnages, c'est quelqu'un de conçu avec une coupe à fascination parce qu'il est diabolique, il est très intelligent, mais il est lâche. C'est quelqu'un de très très mauvais. Il a un prisme sur le monde qui déforme complètement la réalité. Il ne voit que le mal partout. Et du coup, Vermine, c'est un roman très sombre, très noir, avec beaucoup de digressions sur le monde. Et en même temps, c'est un roman qui se veut assez drôle, voilà, avec un humour cynique, corrosif, amoral. Dernièrement, quelqu'un m'avait fait une chronique et disait que souvent mon humour était assez amoral et même politiquement incorrect, on peut dire. Et je trouvais ça assez juste, voilà, de rire. J'aime rire de ce qui est un petit peu interdit. Donc Oui, voilà. waouh, Donc voilà. j'adore. Voilà. Donc ça, c'est Vermine. Pour synthétiser, hein. Et là, mon dernier, alors qui lui, j'ai changé d'éditeur, c'est La Dissidence des Cancrelats. Il est sorti chez LBS Éditions, et là en librairie, il est diffusé par Didisco Albin Michel. Et alors là, on change complètement d'univers, parce que celui-ci va se passer à la campagne dans la Creuse, voilà, à Bourganeuf. Et là, celui-ci se passe sous terre. Oh. C'est-à-dire que ce sont des clochards, Werther et Angélique, un couple de clochards, qui se sont autoproclamés agents de maintenance de la RATP. C'est-à-dire qu'ils se sont donné comme mission de réparer les rames de métro la nuit. Ils travaillent comme ça, voilà. Ce sont des marginaux. Et ils vivent vraiment complètement reclus. Ils ont fait sécession avec le monde d'en haut. Et ils réparent leur rame de métro. Et puis, une nuit, alors, un de leurs collègues, entre guillemets, un de leurs collègues, va les attaquer. Il va y avoir agression. Et tout le roman, celui-ci, est une course-poursuite contre leur agresseur, leur collègue. Et tout le roman va être une fuite en avant, voilà, pour ces trois parias. Ça va être vraiment avec un rythme un peu effréné. C'est un roman très noir, très très sombre. Je l'ai écrit pendant une période assez sombre de ma vie, une grosse dépression. Donc il est beaucoup plus sombre, mais il y a toujours encore cette aération avec un humour subversif, corrosif, parce que bon, j'aime quand même toujours autant rire. Donc voilà, le texte est encore aéré par l'humour. Donc souvent je dis c'est de la littérature ténébreuse et humour noir. Voilà. Ah, Voilà j'adore quand il y a de l'humour dans les romans. Ça, on dirait que ça allège, mais en même temps, ça nous donne de rire. Mais même si le roman, en fait, il est noir, ça se prend tellement bien. Et j'adore qu'il y en a dans les tiens. Tu m'as vendu juste quand tu as dit humour. Même mon mari est à côté qui fait ouh! C'est Là. sûr. Moi, je les mets dans ma liste à acheter très, très, très bientôt parce que j'adore. Donc, Vermine, c'est plus un roman policier avec une enquête? Alors, Non, pas du tout. Du coup, hein? je n'écris pas du tout de polar. D'ailleurs, même sur la OK. couverture, si je le mets bien, c'est marqué roman. Voilà. C'est vraiment Parfait. un roman. Souvent, bon, après, il y a le côté marketing aussi où on dit là, c'est marqué thriller, par exemple, vous voyez. Mais en fait, pour moi, j'écris des romans. Alors, ce sont des romans très sombres parce que moi-même, j'ai un prisme sur le monde qui est sombre. Mais ce ne sont pas des polars. Vermine, pour répondre à ta question, je reprends les codes un peu de l'enquête parce qu'il cherche le Oui. cadavre, il cherche le cadavre de son chien. Mais ça s'arrête là, en fait. OK. Et bien souvent dans mes romans, ce que je dis, c'est que l'histoire est un alibi, est un prétexte en fait au personnage. Ce que j'aime moi, c'est les personnages, c'est les développer au maximum, qu'ils aient le plus d'épaisseur et de profondeur possible. Je travaille beaucoup sur les dialogues
Et l'histoire pour moi est un petit peu pas secondaire, mais c'est vraiment de travailler sur les personnages. J'en ai souvent très peu. C'est des romans assez intimistes, claustrophobiques. J'adore. Voilà. Waouh. Très belle découverte aujourd'hui, sincèrement. Ouais. Isa, tu as tellement raison. Tu peux pas mieux dire. Je me répète, mais j'adore qu'on ait des nouveaux auteurs en live à connaître. Effectivement, on dirait qu'à chaque fois, c'est notre pile à lire et notre pile à acheter augmente et augmente et elle va exploser. Et ce côté et ce live aujourd'hui, ça va être ça. Merci, Isabelle. Question de Xavier Antoine. Coucou Xavier, j'espère que tu vas bien. D'où te vient ce côté sombre, noir? Dès l'enfance, souvent je dis le prisme parce que c'est ça, c'est que, ou même des fois je dis que j'ai une poussière de troll dans l'œil, c'est-à-dire que chaque chose, chaque situation, chaque personne que je rencontre, j'ai ce mauvais penchant à toujours analyser avec un côté très pessimiste. Alors que je suis d'un naturel assez sociable, enfin même je suis quelqu'un de sociable qui aime rire et tout, mais je suis quelqu'un de dépressif déjà, je prends des médicaments, comme beaucoup plein de Français et puis plein de Québécois, mais je suis intérieurement sombre. J'ai toujours été comme ça depuis l'enfance. J'ai toujours aimé les films sombres, le noir. Mais vu que moi c'est mon quotidien. Oui, regardez, là, je suis chez mon père, les deux tableaux, bon, c'est des tableaux déjà très sombres, vous voyez, je suis même pas chez moi. Alors, chez moi, c'est la même chose. Mais en fait, mon univers a toujours été baigné par les thrillers, les romans noirs. Pour moi, c'est la normalité. Voilà, donc, ça a toujours été là. J'ai toujours été quelqu'un de... On va dire que je suis un pessimiste heureux. Mm-hmm. Ouais. Voilà. C'est parti de toi, dans le fond. Oui, complètement. Puis... La réalité dépassant souvent la fiction, le monde est plus sombre que moi en fait. C'est vrai. Le réel chaque jour me prouve que en fait mes romans ne sont pas si décalés que ça. La réalité est bien plus sombre. Oh oui, tellement, c'est affreux tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est voilà. Et depuis des années et des années et des années. Voilà, c'est ça. Ouais. J'adore les tableaux en fait. Oui, ils sont très beaux. Ouais. Je vois la tête, mais à ta droite, je ne vois pas c'est quoi. C'est une forme de... Je ne sais pas si tu connais Clive Barker, les Cénobites d'Hellraiser. Oui. Et ça ressemble un petit peu à un mélange de Cénobites ou un peu avec du Bilal. Vous savez, les personnages avec des têtes d'animaux comme des dieux égyptiens. En fait, c'est un ami de mon père qui l'a peint. Waouh! C'est un Corse qui l'a peint, celui-ci. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je me suis assis là. Je voulais qu'il y ait son tableau derrière. C'est vraiment super beau, il a tellement de talent, waouh! Ouais. Mon père, on partage quelques goûts artistiques, on a des goûts artistiques en commun, et moi j'adorerais l'avoir chez moi celui-ci. Ouais. Oh oui! Merci! Est-ce que tu t'inspires des gens autour de toi pour écrire? Oui, oui, je suis très observateur. Pour revenir un peu sur la question de tout à l'heure, sur pourquoi j'étais sombre, il y a beaucoup d'observations et dans la police aussi. Ouais. D'avoir fait 3 ans dans la police m'a permis de rencontrer des milliers de personnes et on ressort pas de, même si j'avais des missions, pas des grandes missions de police, mais ça m'a beaucoup affecté et puis, de toutes ces rencontres, fatalement, on n'en sort pas indemne, en fait. Parce que personne ne rentre dans un commissariat parce qu'il y va de gaieté de cœur. Donc, on s'inspire fatalement de notre entourage. Et on prend les petits défauts, on les caricature, on les exacerbe. Chaque auteur, je pense que c'est le même processus pour chaque auteur. On exagère tout. Enfin, surtout moi, dans mes romans, je pousse au maximum la caricature des personnages, tout en essayant de rester dans le possible, dans le réel, quoi. Mm-hmm. On n'est pas dans la science-fiction, quoi. Mais sinon, oui, évidemment, je suis un observateur du monde complet, ouais. Mais avec ce prisme noir, voilà. Merci. J'ai une question pour toi. Oui. Si on te demandait demain matin,
Retourne avec nous au commissariat. Est-ce que tu irais? Non. Non, c'est fini, Non, tu as fait non, ton non. expérience et. Oui, 3 ans, c'était très bien. Ils me l'ont demandé quelques années après. Ils ont eu besoin de réservistes et non, non, je refuserais parce que la situation a. Enfin, en plus, moi, c'est à Paris. Hein. Paris étant devenu ce qui est devenu Paris, je n'ai pas du tout envie de travailler dans ces conditions. Moi, j'ai la chance maintenant de. Je ne vis pas de mes romans, mais j'ai la chance de pouvoir me consacrer qu'à l'écriture. J'ai aucune raison de redevenir fonctionnaire de l'État et je n'ai pas envie de mourir pour ça là aujourd'hui. Voilà. Franchement. Alors peut-être dans d'autres conditions, il n'y aurait pas de souci. Hein, c'est pas par lâcheté, mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai aucune envie de re-rentrer dans un commissariat. Je comprends parfaitement. Ma mère, elle a travaillé pour la police pendant 25 ans et Voilà. je l'admire pour faire ce qu'elle a fait, mais sincèrement, moi, je serais pas capable de faire ça. J'ai beaucoup d'admiration parce que évidemment dans les salons on croise beaucoup aussi de policiers ou d'anciens policiers. J'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que eux, déjà c'est des vrais policiers, ils ont fait leur carrière et tout. Mais c'est vrai que moi le peu que j'ai fait là de réserviste, bon j'avais des petites missions et tout, ça m'a largement suffi d'avoir rencontré ces milliers de personnes pendant 3 ans sur Paris. Ça m'a vraiment ça m'a suffi parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et je pense que après, au-delà de ça, ça m'aurait changé et je serais devenu quelqu'un de moins bien. Ouais, je Oui, comprends parfaitement. ouais, Mais voilà. c'est une très belle expérience, par exemple, tout ce que tu as fait. Moi, ce qui me plaisait le plus, c'était que ce soit vraiment un métier utile et que les gens, c'était quand les gens partaient et ils vous remercient avec une poignée de main chaleureuse quand on arrive à aider les personnes le plus en difficulté. Ouais, ça c'est pour ça que j'y retournais tous les jours. C'était ça, voilà. Voilà, c'était la gratitude de mes concitoyens, mes compatriotes. Merci. Ma question habituelle, tes romans en trois mots. Une question de torture, Alors, ça. je dirais ténébreux, subversif, corrosif. Voilà. J'adore. Ouais, là, c'est ceux qui reviennent souvent, mais voilà, c'est ça. Ouais. Ténébreux, ouais, subversif, corrosif. Ouais. Merci. Mais en même temps, j'aurais eu envie de dire littéraire. Parce que j'essaye d'avoir un. Je ne suis pas du tout dans le polar et j'essaye de pas tomber dans le piège du, vous savez, du polar qui serait un petit peu téléfilm, vous voyez, où on suit juste une enquête. J'essaye vraiment, je le dis en toute humilité, vraiment de créer un style, d'avoir mon propre style, que par exemple mes romans soient pas interchangeables en changeant le nom de l'auteur sur la couverture. J'essaie qu'on puisse me reconnaître dès les premières lignes et vraiment de rendre honneur à la langue française je travaille beaucoup le style. Voilà. C'est des romans que je veux. Il y a une écriture assez soutenue et qui sont parfois pas simples à lire, on me dit aussi. Mais je travaille vraiment le style littéraire. Enfin, j'essaye du moins de travailler le mien. Voilà. Merci. Je t'en prie. Comment tu es venue à l'écriture? Tu l'as Bien. mentionné vite vite au début, je crois. Oui, mais il y a une raison, c'est que ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrivais à la fin de mon contrat avec la police nationale, j'ai eu moi-même un chien et un beauceron. C'est des très gros bergers français, c'est le chien français. On appelle ça un berger de Beauce ou un Beauceron Barouge. C'est très très gros chien. Je l'ai eu pendant 11 ans et il est mort. Il est mort de vieillesse et ça m'a véritablement attristé. J'ai véritablement été très très peiné de perdre mon compagnon de route. Et du coup, je dis souvent ça, c'est que à ce moment-là, j'ai tellement été peiné que j'avais le choix. C'était soit aller chercher une bouteille de whisky à la supérette ou soit de construire quelque chose de sa mort. Et donc j'ai voulu écrire un roman avec
comme point de départ la mort d'un chien. J'ai voulu, d'ailleurs, je peux vous le montrer, à la fin de... Alors, je ne vais pas montrer la fin du roman, mais à la fin, il y a la photo du chien. Voilà. Oh, qu'il est ton, oh, qu'il est debout. Voilà. Voilà. Donc, je lui dis, souvent, on dédicace à sa famille, mais moi, je le dédicace à mon chien. Et du coup, je me suis lancé dans l'écriture à ce moment-là. Je me suis dit, gère ce chaos et construis quelque chose de positif avec ça et fais un roman noir et puis drôle. Ris de ton malheur. Waouh, quel bel hommage. Oh, merci. C'est tellement beau. Ça donne encore plus le goût de l'acheter. Là. quand ça vient au chien, on devient tellement... Ah, pas de sens. Tu écris quand dans la journée? As-tu des rituels? Oui. J'ai écrit donc Vermine et... La dissidence des cancres là, alors exactement de la même façon la nuit, à la bougie et avec comme compagnon Spotify. Bon, maintenant c'est YouTube Music parce que j'ai pas envie de payer plusieurs abonnements, mais avec une playlist, toujours avec de la musique, une playlist de sons industriels, de sons, enfin, c'est pas vraiment des musiques, ce sont des sons, des atmosphères, le vent, des choses très, 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 très sombres. Et souvent, c'est ce que je dis, c'est que je me demande même qui écoute ça, parce que moi j'écoute ça pour travailler, mais sinon, ou peut-être pour peindre, mais sinon je me demande qui peut écouter ça, voilà. Et ce sont une playlist qui m'accompagne comme ça pour chaque roman. Voilà, bon, j'en écris que deux, là je suis sur le troisième, mais sur chaque roman j'ai une playlist de 200 morceaux que j'agrémente au fur et à mesure, de sons, de. J'ai besoin d'être dans une atmosphère très très particulière et là je rentre complètement dans le roman dès que je mets mon casque. Donc c'est la nuit avec de la musique et à la bougie. Est-ce que tu écris directement à l'ordinateur ou sur papier avant? Non, je n'écris pas du tout sur le papier. Je tape mes romans à deux doigts. je ne sais pas écrire. Donc je perds un temps fou. Oh, j'adore! J'ai écrit les deux à deux doigts là. Ah, tu vas prendre la vitesse, inquiète-toi pas. Voilà. Alors je tape très très vite, mais à deux doigts. Voilà. Oh. Merci. Ah, en fait, c'était la prochaine question. Tu écris sur du papier, sur ton téléphone, sur ton ordinateur ou en enregistrant ce que tu veux écrire? Alors, j'ai répondu pour le papier. Je n'écris jamais sur le papier. D'ailleurs, quand je suis en salon et que je dois dédicacer, bien souvent, je me surprends à me dire « Oh là là, mon Dieu, ça fait une éternité que je n'ai pas écrit, je ne sais plus écrire à la main. » Par contre, sur mon téléphone, qui est là, qui m'accompagne tout le temps, je prends énormément de notes. Voilà, j'ai un fichier texte où là, je prends les idées, les dialogues qui pourraient comme ça qui surgissent, parce que sinon on se dit toujours ah je vais m'en souvenir, on ne s'en souvient jamais, donc jamais. Donc je note tout et je me retrouve avec des pages entières de notes et qui permettent quand j'écris après de parfois je reviens sur mes notes puis je pioche, je me dis putain ça irait bien là, ça sera pour ici. Je passe beaucoup de temps, là sur mon troisième roman, je passe énormément de temps à revenir en arrière et renourrir le texte avec des nouveaux mots. J'ai beaucoup de mal à dormir, moi. Je pense tout le temps à mon livre, là, actuellement, et je note, voilà. Merci. Mais alors, pour finir de répondre à la question, je ne m'enregistre pas, par contre. Ah, OK. Voilà. Justement, Steve, il demande comment avance ton troisième roman? Alors là, il est en pause du fait que j'ai pris le maquis, comme on dit ici hein, en Corse. Il avance très bien. J'écris le premier tiers. J'en suis, je peux le dire, j'en suis très content. C'est la première fois que je travaille autant sur un texte. J'ai écrit Vermine d'une traite. Celui-ci, j'ai un peu plus travaillé.
Mais là, vraiment, comme j'ai toujours envie de, c'est mon côté maniaque, j'ai vraiment toujours envie de faire mieux et de proposer mieux à ceux qui apprécient mon travail. Je travaille énormément sur le troisième. J'ai failli dire le nom, je garde le nom pour plus tard, parce j'ai déjà le titre. Et il avance très bien et j'en suis, en tout cas moi, comme je suis mon premier lecteur, il me satisfait et je suis très excité à l'idée de le poursuivre quand je vais rentrer sur Paris. Bonne Ouais, continuation ouais. d'écriture. Ouais, merci. Suis sûre que... Ah, je savais que c'était Xavier qui demandait toutes ces questions-là. Xavier, il demande, pourrais-tu nous lire un extrait de ton dernier livre, s'il te plaît, si tu es à l'aise? Oh là là là, je suis à l'aise, mais alors je vois, je sais pas du tout. Là, franchement, je sais pas du tout parce que il faut tellement être dans le contexte du moment. Sinon, j'aurais préparé un petit peu le truc là. Franchement, en fait, ça serait dommage. Ça serait parce que j'aurais peur de spoiler déjà. J'aurais peur Non. de. Et voilà, j'aurais peur de dévoiler et. Et en même temps, il faut véritablement être dans le roman. Enfin, ce sont des romans, bien souvent, pour les lecteurs qui me suivent, qui se lisent souvent d'une traite ou en une ou deux fois. Et j'essaye d'écrire d'une façon où j'essaye d'empêcher le lecteur de s'arrêter. De Voilà, c'est fermer ça. le livre. Ouais. Et là, franchement, J'adore. je ne pourrais pas, là de tête, je ne pourrais pas lire un passage parce que n'étant pas dans le contexte, ça ne voudrait rien dire. J'invite plutôt à, bah, malheureusement, pas acheter le livre, mais je sais qu'il y a des extraits sur Babelio, par exemple. Il y a beaucoup d'extraits. Oui. Oui, sur Amazon aussi. Si tes romans sont sur Amazon également, il y a des extraits dessus. Je sais que même sur mon Instagram, il m'arrive de mettre des citations, des extraits en fait, mais je les connaissant pas de tête par cœur, là franchement, ça vous me posez une colle là, je sais pas. Mais sincèrement, j'aime ça que tu sois honnête et que tu Ouais. dises non, Ouais. non, non, je m'excuse, je peux pas parce que ça vous prend le contexte du livre. J'adore parce que ça me donne encore plus le goût de lire parce que je me demande, mais c'est quoi qui se cache derrière? Voilà. Bon. Ah, Non, ou la C4? Est-ce que oui, tu je peux nous lire peux. la C4, Ah, s'il vous plaît? alors, bien sûr. Alors, je vais vous lire. Je commence par celui de Vermine. Alors, très bien. Alors, Bourganeuf, petite commune isolée dans la Creuse. Arnaud Valot, jeune taxidermiste asocial et cynique, impose le respect par sa verve et sa mauvaise foi. Accompagné de Pascalin, le brave du village, il tient une boutique et mène une vie très monotone jusqu'au jour où une armoire normande écrase son chien. Son quotidien se transforme alors en une série d'aventures burlesques et tragiques. Hasard, accident ou vengeance, on n'est jamais aussi seul qu'on le croit. Voilà, ça c'est Vermine. Et pour la dissidence des Cancrelats, le sombre Paris, les profondeurs du métro. Claude Sorensen et Werther, agents de maintenance autoproclamés de la RATP, finissent leur quotidienne et méthodique nuit de labeur. Rentrés dans leur terrier situé sous le chemin de fer, les deux excentriques sont attaqués dans leur juste sommeil par un collègue travesti en sage-femme. C'est l'incompréhension, l'agression nécessite légitime vengeance. Démarre une course-poursuite contre l'assaillant, fuite en avant et sans retour pour les trois parias, au cœur d'un monde dément et hostile, le Dédale. Et ses multiples ramifications, les boyaux. Voilà. Merde. Waouh. Ok. Ça a Donc, tellement l'air intéressant. un univers un peu décalé, décadent, très sombre, encore une fois, et voilà, aéré par un humour corrosif. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, ok, il me faut ces romans-là, c'est sûr, sûr, sûr. Waouh! Je Juste la n'ai pas C4 la. me. Ah! Oh, merci, merci pour d'avoir lu les C4. Je t'en prie, je t'en prie. Mais c'était une très bonne idée. Au moins, ça pose le décor. Oui! Une autre question de Xavier. Quels sont tes auteurs
ou et auteur qui t'inspire dans lecture, dans l'écriture de tes livres, excuse-moi. Je dis, alors, je suis quelqu'un qui a eu une passe difficile dans sa vie. J'ai été alcoolique pendant de nombreuses années, donc je n'ai pas lu pendant une vingtaine d'années. Je peux parler des auteurs qui ont, quand j'étais jeune, qui m'ont donné un petit peu le déclic, en fait, pour écrire peut-être un jour. Je dirais que j'ai beaucoup aimé Maurice Gédantec. J'ai beaucoup aimé Adolescent Graham Masterton, Clive Barker, et sinon dans ce qui n'est pas contemporain, c'est Eric Emmanuel Schmitt et Céline, Louis-Ferdinand Céline. Là, pour moi, c'est le sommet de la littérature française, vraiment dans le style, là on peut Oh, je connais difficile. pas. Louis-Ferdinand Céline, là, en ce moment, je suis en train de lire Mort à crédit, là, son deuxième roman. Moi, bon, j'en ai toujours entendu parler. J'ai lu Le Voyage au bout de la nuit, qui est considéré bien souvent comme un des meilleurs romans français. Je l'ai lu, je me suis Oh. donné quelques temps pour le digérer, parce qu'il a, il a vraiment un style littéraire, c'est très très fort. Et puis là, je me lance dans Mort à crédit. Et là, on est vraiment dans. Pour moi, c'est du roman noir là. Et en même temps, c'est très très drôle. Enfin, c'est tout. C'est drôle, c'est bien écrit. C'est un condensé d'intelligence là. C'est des pavés, bien sûr. Mais voilà. Donc pour résumer, voilà, Graham Masterton, j'ai adoré. Bon, Stephen King, évidemment, je le dis pas, mais parce que c'est tous les auteurs qui. Le Stephen King, là, d'ailleurs, là, je suis chez mon père, j'ai retrouvé quand j'étais ado et que je lisais les Stephen King chez mon père, j'en avais oublié. Donc, j'ai retrouvé quelques bouquins à moi, comme là, le L de Graham Masterton. Donc, ça, c'est les trucs que je lisais quand j'étais en vacances ici. parce que je viens en Corse depuis tout petit. Donc, voilà, j'espère que j'ai pas oublié. Sinon, j'aime beaucoup Jean-Paul Dubois, voilà. Mais c'est ça, et Clive Barker pour ses idées, il écrit beaucoup de nouvelles. Et puis là, dernièrement, je découvre Lovecraft. Je suis en train de lire toute l'œuvre de Lovecraft. Alors, ça ne m'inspire pas parce que maintenant c'est trop tard, j'ai déjà commencé à écrire, mais j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi il a eu cette renommée. Hein. Ce n'est pas Ouais. uniquement ses idées, c'est qu'il écrit très, 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 très bien. Il y a un style anglais, une finesse, j'aime beaucoup. Ouais. Ces nouvelles sont tellement bonnes, Ah, belles, bien écrites. Ouais. voilà. Je suis très heureux de le découvrir là à 42 ans, Lovecraft. J'avais jamais lu. Merci. Moi aussi, je pense que j'ai lu juste une nouvelle de lui que j'ai adorée. Je pense qu'on a trois, quatre romans de lui ici de recueil de nouvelles, mais j'ai Ouais. pas. Mais j'ai pas. Il faut vraiment que je m'y remette encore. C'est magnifique. C'est très très bon et même en audio. Hein. Ah Je vais faire la pub un peu pour quelqu'un qui fait des lectures de Lovecraft en audio. S'appelle Tindalos sur YouTube. Il compose lui-même la musique entre chaque chapitre. Il a une voix formidable. Et à la limite, je trouve, parce que j'achète les livres, hein, mais je les écoute parce qu'ils subliment le texte. Oh. Surtout Lovecraft. On nous conte l'histoire de Lovecraft et tout est sublimé. Et donc, je l'ai contacté et ma maison d'édition aussi l'a contacté, enfin, Flammes en Noir. Et peut-être qu'il va faire Vermine en version audio Wow. parce que je me suis rendu compte, j'ai été très très malade avec le Pfizer. J'ai été 2 semaines au lit. Mon corps a très mal réagi au vaccin. Et du coup, je me suis retrouvé dans l'incapacité d'écrire et de lire. Et du coup, sur YouTube, bon, j'avais besoin de lecture. Donc, j'ai commencé à écouter Lovecraft en audio. Et après, je me suis dit, il y a énormément de gens qui sont aveugles ou pour je ne sais quel handicap ne peuvent pas lire de livres. Et je me suis dit, il faut absolument que tu le contactes et qu'on puisse faire peut-être Vermine en audio. Voilà. Wow. Après, peut-être. Pourquoi pas la dissidence des Cancres là, il faudrait que j'en parle à LBS, mon éditeur. J'ai découvert que le texte pouvait vraiment être sublimé quand la personne est très professionnelle, bien sûr. Oui, tout à fait. Voilà, ouais. Oui. Ça ne ça, ça. Et je crois que l'audio également, ça commence à être très, 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 très populaire. Donc, Oui. oui.
Moi, j'ai découvert ça du fait d'avoir cet handicap où vraiment j'étais d'une très grande fatigue. Et du coup, la nuit, là, au casque et tout, avec la musique, j'ai trouvé ça fantastique. Alors, évidemment, je préfère quand même lire. Hein. Mais parfois, notamment Lovecraft, c'est quand même, je trouve que ça sublime le texte. Ça fait du bien, oui. Ouais. Et des fois, les longues balades en auto, au lieu d'écouter de la musique, ben on met ça et Voilà. ça fait du bien, oui. Par exemple. Oh, merci. Oui, j'ai justement lui. D'accord. Tales of Horror. D'accord, très bien. Ouais. Oui, c'est un bel ouvrage, hein? Oui, les Ah oui. pages sont magnifiques, sont tellement belles. C'est un bel Ah, ouvrage. très beau. Non, moi, je me suis contenté de les acheter en folio, en plus petit, parce que à Paris, j'ai pas la place comme ici. Oui. Donc, je prends format poche. Oui. Merci. Comment choisis-tu les titres de tes livres? Alors, pour Vermine, il y a eu un brainstorming avec mon éditrice, Nathalie de Flammant Noir. On avait deux, trois mots comme ça qui tournaient. Et puis, au final, je crois que c'est moi qui lui ai proposé Vermine. Et puis, on a dit Banco, ça collait avec la couverture. Et puis, ça, c'était très intriguant, ce chien de dos avec Vermine. Voilà. Donc, je crois que c'est moi qui l'ai proposé. Voilà. Et donc, Nathalie de Flammant Noir l'a validé. Et pour la dissidence des cancres là, bah, je remercie encore LBS, hein, Sabine et Anthony. C'est moi qui l'ai trouvé. Et c'était un petit peu un pari parce que le nom est un petit peu long. Et puis, on se demande ce que ça veut bien vouloir dire, cette dissidence des cancres là. Ce qui est en fait la sécession de parias, en fait, hein, qui ne jouent plus le jeu et ont décidé de vivre sous terre. C'est ça la métaphore. Et ils ont validé. Et donc, j'en suis très heureux parce que je voulais un titre littéraire. Autant Vermine, c'est accrocheur. Souvent, vous voyez dans le polar, dans les romans noirs, on utilise un titre où c'est un seul mot, hein, pour attraper le lecteur. Ben, moi, j'ai fait le pari inverse. Je me suis dit, je vais appeler ça, je vais me faire plaisir déjà. Je vais lui donner un titre littéraire, voilà, La dissidence des cancrelats. Alors, c'est un peu plus long, c'est plus difficile à se souvenir, mais bon, c'est ma marque. Et le prochain sera un petit peu dans cette veine-là. J'accorde beaucoup d'importance au titre des livres. Ouais. Merci. Les couvertures sont tellement belles et Merci. j'ai un petit Oui. faible pour Vermine parce que je sais pas, c'est peut-être la forêt, le chien, je sais pas, mais j'adore la couverture. Elle est simple, mais elle est Oui, accrocheur. elle est assez efficace. Elle est très cinématographique. On dirait Oui. l'affiche d'un film. C'est vrai. Et en fait, pour la petite histoire, mon éditrice à l'époque avait une stagiaire pendant je ne sais plus combien de temps. Et quand elle cherchait les possibles couvertures, c'est la stagiaire qui a dit, tiens, ça serait bien. Du coup, c'est la stagiaire qui a trouvé la couverture. Nathalie me l'a montré, on l'a validé. Et pour la dissidence des cancres là, à la base, c'en était une autre. Et puis, comme la sortie du livre a été repoussée du fait de la pandémie, il y a eu un changement de couverture. Et donc, ça a été celle-ci qui a été faite par un graphiste de LBS. Voilà, avec ce regard noir. Et ce masque qui était, pourtant j'ai écrit le livre il y a 2 ans, ce masque qui était annonciateur de notre malheur. Voilà. Moi, à l'époque, mon personnage, à un moment donné, a un masque, mais après, c'était beaucoup moins original. Hein. Alors d'aujourd'hui. Voilà. J'adore les couleurs sur la couverture, elles sont vraiment belles. Ben là, comme ça, c'est le prochain, il faut que ça soit bleu, blanc, rouge, il faut que ce soit blanc. Voilà. J'ai hâte que tu puisses annoncer le titre et la couverture. Ok, j'ai hâte. Ça s'en Moi vient. aussi, moi aussi. Connais-tu la fin de tes romans d'avance? Alors, je vais être très honnête, pour Vermine, absolument pas. Je l'écris d'une traite, je ne savais pas du tout où j'allais. Et voilà. Et bon, après, quand on arrive vers
On a fait 80% du bouquin. Là, on fait quand même une pause pour se dire, bon, il va peut-être falloir quand même faire une fin. Donc, mais sinon, non, d'une traite, j'ai pas du tout pensé. Voilà, mon chien est mort, j'ai commencé à écrire. Et la dissidence des cancres là, oui, j'avais le début, j'avais la fin. J'avais le début, j'avais la fin. Il fallait par contre écrire 260 pages. Enfin, je ne sais même pas combien il en fait d'ailleurs. Non, 244. Donc, il a fallu remplir entre les deux. Et pour le troisième, là, par contre, j'ai tout. Là, j'ai vraiment, j'essaye toujours de progresser. Et là, j'ai vraiment structuré complètement le roman. Je connais la fin, je connais tout. Et il faut remplir les cases, là. Voilà. Wow. Bon, je me laisse quand même. C'est toujours le plaisir d'écrire. Beaucoup de liberté. Oui. Là, par exemple, là où j'en suis, je ne sais pas exactement ce qui va se passer pendant 40 pages, hein, mais je sais le final, voilà. Quand tu écris, est-ce que c'est toi qui prends le contrôle ou ce sont tes personnages qui prennent totalement le contrôle du livre? En fait, je suis mes personnages. Oh. Ouais, je suis mes personnages. J'exacerbe ce qu'il y a de pire en moi pour m'en moquer, pour exorciser aussi. Quand mes personnages sont très méchants, c'est parce que je peux l'être. Quand ils sont drôles, c'est parce que je peux l'être. Mais en fait, de se voir dans ces personnages, ça exorcise en fait tous ces défauts. Voilà. Donc en fait, mes personnages, ce sont moi. Et j'exacerbe tout ça. Et puis après, en le relisant, bon, bah, c'est une thérapie, hein. Après, Oui. on n'a pas envie de ressembler à ce qu'on vient d'écrire. Voilà. C'est toujours ça, en fait. Moi, j'écris pour gérer mon chaos. Je suis quelqu'un de très chaotique dans ma façon de sentir les choses et tout. Donc, j'écris c'est ma thérapie. Tout mon mal-être, je le mets sur papier. Et c'est très constructif parce qu'après, du coup, ça fait un bouquin. Les gens prennent du plaisir. Ça les divertit. Ça leur plaît. Pour ceux qui apprécient mon boulot. Et du coup, voilà, c'est une méthode de travail. Tout le mal-être, toute mon hypersensibilité, toute ma noirceur est balancée dans mon boulot, dans mon écriture. J'adore la façon que tu fonctionnes. Isa, on n'a pas le choix, il faut les commander. Isa, ouais, Isabelle, commande des livres avec moi pour me sentir moins coupable. Ah ouais, voilà. Ouais, je vois. Pour alléger ta culpabilité. C'est ça, Voilà. parce que là, j'ai plus de place chez Mounou, là. À 900 bouquins, Ah est-ce que tu oui. as de la place, toi? On a 900 bouquins, oui, là, ça fait beaucoup. Bah, moi, comme j'ai arrêté de lire pendant 20 ans, là, je redémarre à lire. Donc, je lis beaucoup de classiques, là, comme Céline, Oui. Henry James, enfin, beaucoup de classiques. Et puis aussi, parfois, je me fais plaisir. J'ai relu le dernier Stephen King, je me suis lu un Graham Masterton. J'aère quand même avec des choses qui sont, pour moi, plus légères. Mais j'ai encore, moi, il me reste de la place quand même. Je vais te les envoyer, tu pourras restaurer pour moi. Non, 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 ok. Non, mon mari, il me regarde avec des fusils dans les yeux. Bah. Je comprends. Mais je le comprends parce que moi, j'aime posséder. Oui. Pas pour le côté. Oh, si, le côté fétichiste, soyons francs. Hein. J'adore posséder ce que j'ai lu. J'adore l'avoir, le regarder. J'adore, évidemment. Mais je trouve que c'est un bon fétichisme parce qu'il n'est pas consumériste. Là, c'est vraiment, c'est du papier, c'est de la Vrai. littérature. Hein, vous voyez? C'est vrai. C'est pas. C'est un bon consumériste, je Oui, trouve. c'est vrai. En plus, ils font partie de nous. C'est nos bébés. Et je me dis un jour, peut-être que ma fille, elle va toutes les lire. Qui sait? Exactement. C'est exactement ce que je me dis pour mon fils. Voilà. Oui. Mais pour mes romans, il va falloir qu'il attende un peu d'avoir l'âge. C'est quand même Ah, oui, c'est sûr, là. parce que là, il est encore un petit peu trop jeune, le tien. Ouais. Là, 7 mois, c'est jeune. Comment tu choisis tes personnages? Plutôt des personnages masculins ou féminins ou parité oblige? Alors, Marie-Mandarin. déjà, quand je lis le mot parité oblige, ça me donne envie de faire tout l'inverse. Non, je respecte aucun code, ça me vient naturellement. Dans mon premier roman, il y a des hommes, il y a une femme. Après, j'ai beaucoup aimé dans La dissidence des cancres là, écrire en étant une femme, parce qu'il y a une femme.
Donc, non, il y a des hommes, des femmes, il y a de tout, c'est la vie réelle, voilà. Mais non, s'il fallait que je m'inflige une parité obligatoire, bah là, on sort de l'art, parce que c'est la dictature, là. Là, si on me force à choisir le sexe de mes personnages pour sa phase 50-50, là, on est en dictature artistique, là. Ouais. J'adore. Xavier, j'espère que ça a répondu à ta question. Ah, ça serait pas possible. Là, j'adore ça. Mais ça pourrait arriver, par exemple, dans mon prochain, qui est autant de femmes que d'hommes, en fait. Mais en fait, je ne me pose pas ce genre de questions. Voilà. Et ça arrive naturellement. Oui. Ouais. Ouais. Selon vous, quel est votre point fort et votre point faible en écriture? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la séance d'écriture? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, quel est mon point fort? Je pense que c'est l'imagination. Je fourmille d'idées. Voilà, ça, c'est le point fort. C'est que en toute modestie, mais c'est vrai que c'est assez simple pour moi d'avoir des idées. Mais c'est en même temps mon point faible, c'est que j'ai beaucoup d'idées. Mais là où j'ai un gros point faible, c'est sur les trames narratives. C'est très difficile pour moi de trouver une histoire à raconter. J'ai beaucoup d'idées sur les personnages, sur les dialogues, ça me vient naturellement et tout. Mais par contre, de raconter une histoire de A à Z, ça c'est difficile. Souvent, on me dit, tiens, tu devrais écrire une nouvelle. Je n'ai pas beaucoup d'idées d'histoire, en fait. J'ai beaucoup d'idées de dialogue, beaucoup d'idées de personnages, beaucoup d'idées de plein de petites séquences, on va dire. Mais après, toutes ces petites séquences-là, faut les regrouper pour faire une histoire. Et là, je me retrouve un petit peu nu. C'est ça mon point faible, c'est ça. C'est de ne pas avoir immédiatement une grande histoire à raconter. Point fort, l'imagination. Le style aussi, je dirais. Enfin, je vais essayer d'être le plus franc. Le style. Je pense que ça, c'est mon point fort. J'ai une mère qui lisait beaucoup quand j'étais jeune, qui me conseillait beaucoup de livres que j'ai lus il y a une vingtaine d'années. Et donc, j'accorde beaucoup d'importance à ce que je disais en préambule, au style et puis au respect de la langue française, l'écriture soutenue. Et voilà, le point faible, véritablement, c'est ça, c'est que je pourrais pas écrire polar, vous voyez, ou toute cette complexité de personnages, les dates, la chronologie, voilà. Là, je suis pas bon du tout dans tout ça, moi. J'ai peu de personnages, mais je me focalise bien sur eux pour les faire bien. J'ai beaucoup de respect, par exemple, pour quelqu'un qui a écrit, Tolkien, voilà, j'ai beaucoup de respect pour George R. R. Martin, mon cousin, parce qu'ils arrivent à développer tout un univers avec tellement de personnages. Enfin, je pense que c'est un travail. Pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Pour l'instant, petit à petit, mes livres s'étoffent au niveau des personnages, mais c'est pas ce que je recherche, voilà, de développer quelque chose de très complexe. Moi, la complexité que je recherche, moi, c'est plutôt dans leur réflexion, dans leur digression, leur regard sur leur monde. Il y a un côté philosophique aussi dans mes romans. Oh, j'aime ça. Voilà, c'est plus cette complexité-là que je recherche. C'est l'introspection. Merci. Voilà. Tellement une belle découverte aujourd'hui, sincèrement. Waouh. Pourrais-tu écrire dans un autre genre? Alors, je pourrais écrire dans un autre genre, mais je ne le veux pas. Voilà. Pour répondre très simplement, j'en parlais hier avec une amie à mon père. C'est que quand on est auteur, c'est facile de tartiner 500 pages. C'est facile de... Parce qu'on sait écrire, donc on peut écrire 500 pages. Par contre, c'est très difficile de condenser, d'en faire 200 qui soient très, très bonnes. Et moi, je m'évertue à ça, comme un artisan. Mon père était artisan, il faisait des couteaux et il passait beaucoup de temps sur un seul couteau, mais il était très beau, le couteau. Et moi, c'est ça. Mes livres ne sont pas très épais, ne sont pas très longs, mais j'essaye de les rendre, de les condenser, qu'ils soient le plus beau possible. Et je pourrais très bien écrire
je digresse là, mais je pourrais très bien écrire dans un autre style. En fait, quand je pense à ça, je pense à qui plairait plus, qui serait plus grand public. Je vois ce qu'il faudrait écrire pour que ça fonctionne encore mieux. Voilà, je vois tout à fait ce qu'il faudrait écrire, mais j'en suis incapable. J'aurais l'impression de me prostituer, j'aurais l'impression de me trahir. Vous voyez? J'aurais l'impression de me trahir. Je pourrais écrire des romans à l'eau de rose, je pourrais écrire du feel good, je vois, hein, mais je peux pas, voilà. Je peux pas. Ouais, tu veux rester vrai envers toi-même et pas. Oui, Je comprends. authentique. Quitte à me couper vraiment du, parce que je sais que c'est pas accessible à tout le monde, hein, je m'en rends compte, hein, mais ce qui m'importe, moi, c'est de toucher, de plaire, et pour le moment c'est le cas, c'est que ça plaît aux gens qui moi m'importent. Voilà. Pour le moment, voilà, moi je. Tu as toute mon admiration, sincèrement, pour penser comme ça. Bravo. Merci. Bravo. Merci, ça me flatte. Parce qu'effectivement, il y a des auteurs qui, c'est super beau, c'est super bien écrit et tout ça, c'est l'histoire, elle est super, mais ils veulent vraiment rentrer dans le moule. Et vu que toi, sincèrement, tu veux rester authentique, vrai à toi-même, bravo. Autant que faire se peut, j'essaierai d'écrire je sais pas, peut-être un jour ça existera, on dira, tiens, c'est du Romain R. Martin comme style, c'est ce que je me souhaite. Et j'essaye vraiment de d'ouvrir et de créer mon propre style, développer ma propre personnalité. Et pour répondre à la question, oui, je pourrais écrire autre chose, mais voilà, j'aurais vraiment l'impression de me prostituer. Parce que je vois très bien ce qu'il faudrait écrire. Et tous les auteurs, on en discute entre nous, hein. Il y a des tendances. Je sais qu'il y a des auteurs, ça ne gêne pas de faire ça. Moi, j'en serais incapable. Mais bon, je me coupe d'une partie de lecteurs. Ça, j'en suis complètement conscient. Question de Mehdi. Coucou Mehdi. J'espère Bonsoir, Mehdi. que Ben, moi, je dis bonsoir parce qu'il est 20 h, mais bonjour, vas bien. Mehdi. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. Bonsoir Mehdi. Hello, le R Martin, ce clin d'œil à Georges R Martin, ou as-tu supprimé un R pour rester discret? Alors, c'est mon vrai nom. Je m'appelle Romain Martin. Le R vient du fait que, bon, là, mon père est ici, mais sinon, mes parents étant divorcés, j'ai été adopté symboliquement par mon beau-père, qui m'a élevé, et qui s'appelait Jean-Louis Roux. Donc, je m'appelle Romain Roux Martin. Et donc, pour le petit clin d'œil, j'ai rajouté le R, parce que malheureusement, mon beau-père est mort d'un cancer. Et donc, il est avec moi, dans le R. Voilà. Donc, c'est toutes ces raisons-là que je me suis appelé Romain R. Martin, parce que c'est mon nom, c'est le R du nom de famille de mon beau-père qui m'a adopté symboliquement. Et ça faisait Romain, ça faisait R. R. Martin. Et ça, voilà, tout ceci a fait que j'ai gardé. C'est mon nom, voilà. Oh, mais cute. Merci. Pourrais-tu écrire à quatre mains, voire plus? Non, pas du tout. J'en serais complètement incapable. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent. Il faudrait que je me dédouble. Je ne pense pas que pour l'humanité, que ça soit une bonne chose qu'il y ait deux Romain R. Martin. Non, je ne veux pas parler de moi à la troisième personne, mais véritablement, je pense que c'est un exercice très, très, très difficile, le quatre mains. Déjà, d'écrire un livre, pour moi, c'est beaucoup de. Enfin. C'est difficile. Moi, je ne viens pas du milieu littéraire, hein. J'ai été dans la police, donc je me verrais, je n'y arriverai pas, moi, à partager. Mon univers n'est qu'à moi, je pense. Alors, peut-être que l'avenir me fera mentir, mais de toute façon, je préfère être seul pour écrire. C'est une lutte, c'est un combat contre soi-même. J'aime la solitude, j'aime le désespoir à écrire, à être triste. J'adore ça. Je me complais dans mon malheur à écrire. J'ai pas envie d'embêter quelqu'un d'autre, le tirer dans mon chaos. Non. Ah, j'aime ça. La façon que tu décris, ça semble tellement poétique, ça semble tellement, je sais pas, j'adore. Alors,
Il y a beaucoup de poésie dans mes, dans mon, dans, c'est des livres aussi poétiques. J'aime beaucoup les tournures de phrases poétiques, mais dans le sombre, vous voyez, sans aller jusqu'à Baudelaire. Mais je trouve que c'est ce qui manque bien souvent dans les romans noirs, c'est toute la poésie, la noirceur des choses. Voilà. C'est Et vrai. justement une partie du style que j'essaye de travailler. Voilà, moi je suis quelqu'un de très. Je suis pas fleur bleue, mais j'aime beaucoup la poésie. Voilà. Et donc, ça doit se ressentir, voilà, dans ma façon de parler. Oui, Inévitable. en fait, oui, Inévitablement. ça ressort, ça reflète, c'est beau, j'aime ça. Ici au Québec, nous avons L.P. Sicard qui est un auteur justement noir, mais poétique, donc ça me fait un petit peu Ouais. penser à ça, j'adore. Je trouve que rendre hommage à sa langue maternelle, moi j'écris pour ça aussi, rendre hommage à sa langue maternelle et aussi la faire perdurer. C'est-à-dire par les expressions, par le respect de certaines formules. Par exemple, c'est tout bête, mais je n'écris jamais le mot-clé CL, E accent aigu, je l'écris CLEF. Parce que c'est plus chiant, parce que c'est plus vieux, parce que c'est voilà, c'est tout ça. J'adore la langue soutenue. Parce qu'en plus, quand on écrit avec le langage soutenu, dès qu'on devient un tout petit peu vulgaire ou un petit peu outrancier, ça a beaucoup plus d'impact. Ouais, c'est Et vrai. aussi pour tout ce qui est ressort comique. Voilà. C'est pour ça que j'adore écrire avec la langue soutenue, c'est que dès qu'on s'échappe ou un personnage, lui, va être beaucoup plus abrupt, tout de suite, on voit le distinguo c'est beaucoup plus efficace dans le texte et les ressorts comiques sont. Bah, c'est Molière, hein, vous voyez, Molière, c'est ça. C'est des gens qui parlent admirablement bien, mais qui sont des ordures ou juste très drôles, quoi. Comme les politiques, d'ailleurs. Merci. Jacotte Pazel dit, je pense que tes romans reflètent ta personnalité. Ah ben complètement. Là, malheureusement, mais oui, à 100%, oui. C'est tout à fait, c'est moi, c'est mon chaos, voilà. Ça, c'est mon chaos qui est condensé là-dedans. Mais c'est bien parce qu'à chaque fois, j'en ai un peu moins. Je me déleste de roman en roman. Mais bon, il en reste encore, hein, vous inquiétez pas. Enfin, pour ceux qui me suivent, j'en ai encore à vendre. Dans le troisième roman, il y a encore beaucoup de chaos. Donc oui, c'est ça, oui, ça reflète complètement. Je suis comme ça. Dans mes romans et comme je suis là. Voilà. Et mon chéri qui dit, vous donnez vraiment envie de vous lire, vos textes semblent uniques et intelligents. C'est vraiment vrai. C'est très flatteur. Voilà, on ne peut plus flatteur, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Merci, Dave. Pendant la création d'un livre, voyez-vous rapidement l'image à mettre en couverture? Alors, ça n'a pas été le cas pour Vermine, mais je travaille avec. J'ai des dossiers, bien sûr, et je mets en folder une image pour m'imprégner la rétine d'une ligne directrice. Voilà. Et par exemple, là, j'ai déjà en tête la couverture du troisième. Ouais. J'ai besoin, moi, visuellement, parce que c'est comme aussi une écriture un peu cinématographique. J'ai besoin visuellement d'avoir un support. Comme là, mon père a ce tableau-là, mais moi, chez moi, j'ai mes. Ça, bon, ça fait très mégalo, mais j'ai mes couvertures en tableau, en énorme, pour m'inspirer de ce que j'ai fait, puis aussi pour m'encourager, parce que quand on est auteur, on est tout seul, on est son unique supporter. Donc, je vois mes deux romans, je me dis, bon, allez, continue, continue. Et alors, du coup, j'ai besoin d'un support pour répondre à la question visuelle. Et c'est vrai que là, j'ai déjà en tête la couverture. Et il faut absolument que ça soit ça parce que ça colle avec le titre. Donc, j'ai déjà tout en tête là. Lequel de vos personnages est le plus près de vous? De tout ce que j'ai écrit, je dirais que c'est dans Vermine. C'est malheureusement Arnaud Valot, hein, ce personnage associé à Lycidique qui impose le respect par sa verve et sa mauvaise foi. Bien sûr, c'est un personnage, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez perdu, d'assez malveillant. Et je vous ai dit, j'ai eu des problèmes d'alcool. Maintenant, j'ai arrêté de boire. Mais
comme toute personne qui a eu des soucis de drogue dure, ça pousse à la malveillance. Et donc, je dirais, il est assez autobiographique. Dans ma jeunesse, j'ai pensé comme ce personnage-là. Et le fait de l'écrire, ça a permis d'exorciser complètement ce passé un peu. Oui, ce mec, on va dire, oui, malveillant, voilà. Parce que moi-même, j'ai été malveillant dans ma jeunesse. J'aime ça que tu prends tout ce qui s'est passé dans ta vie et que tu le mettes dans un roman pour faire quelque chose. Oui. Et tu l'as dit plus tôt également, t'essaies toujours de faire ressortir une quelconque réflexion dans tes romans et j'adore ça. Félicitations pour avoir fait ça parce que sincèrement, tu as tellement un beau parcours. Merci. Wow. Et Merci. moi, j'ai juste hâte de me plonger dans ton univers, dans ton univers noir. Bah, J'ai vraiment trop hâte. j'en suis ravi d'assez vous intriguer pour susciter la lecture. Mais c'est vrai, ça, c'est vraiment ça. La ligne directrice, c'est gérer son chaos. J'écris pour gérer mon chaos. Et puis, tant que j'aurai du chaos, je continuerai à écrire. Voilà. Mais c'est vrai que dans mes romans, c'est tout ce qui me traverse, c'est tout ce que j'ai traversé. On est tous un petit peu fêlés dans le sens pas fou, mais cassés, les auteurs. Et je crois que malheureusement, plus un auteur est brisé par la vie et plus parfois il a du talent, on le retrouve. C'est Moi, j'aime vrai. beaucoup. En fait, souvent, moi, quand je lis, je suis d'abord plus intéressé par l'écrivain que par le livre. C'est les personnages. Par exemple, Maurice G. Dantec m'a beaucoup. Le personnage m'a fasciné, hein, quand j'étais plus jeune. Et j'ai lu Les Racines du Mal et j'avais vu juste. C'était ça. Lovecraft, par exemple, est fascinant. Espèce de mec complètement fou qui ne sort jamais de chez lui. Je me retrouve un peu dans lui parce que moi je ne sors jamais de chez moi. Je suis quelqu'un de très confiné. Hein. Avant le confinement, moi je ne sors pas beaucoup de chez moi. J'ai très peu de contacts. J'ai des amis, mais je me consacre vraiment à l'écriture. Donc voilà. Wow. Merci énormément, effectivement, Manon. Merci énormément pour cette réponse très honnête. Ça donne vraiment le goût de découvrir votre univers. C'est ça, exact. Merci Manon. Je Merci Manon. Bah, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est vrai que souvent on me dit, c'est merci d'être honnête. Mais je ne sais pas faire je sais pas faire autrement que d'être honnête. Parce que rajouter. voilà. De toute façon, autant être soi-même. Voilà. Oui, oh oui, tout à fait. Voilà. Où est-ce Complètement. qu'on peut acheter tes romans? Est-ce qu'on peut passer par toi ou c'est mieux de les acheter sur Amazon ou... Alors évidemment, pour la France, je vais répondre déjà pour la France, évidemment, c'est mieux d'aller acheter en librairie. Après, je fais moi-même des dédicaces, j'envoie quand on me le demande. Je fais jamais la publicité pour pas en avoir trop. Mais sinon, oui, si on me vient me parler en message privé, je fais des dédicaces. Le mieux, toujours, bien sûr, c'est en salon, hein, parce que je fais beaucoup de salons du livre. Hein, je dis souvent oui à chaque salon. Et sinon, bah, Amazon, voilà. Je ne vais pas mentir, évidemment, Amazon est bah, indétrônable pour le moment. On reçoit le bouquin le lendemain, donc c'est très difficile. Mais bon, je privilégie les librairies, évidemment. Mais si on ne le trouve pas en librairie ou si on n'a pas la possibilité d'aller en librairie, eh bien évidemment, il y a Amazon. Mais bon, essayons de soutenir au maximum les librairies. C'est quand même le lieu de culture à soutenir. Voilà. Oh oui, tout à fait. Est-ce que tes romans sont disponibles au Canada en librairie? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'ils soient diffusés. Non, non, je ne crois pas que ce soit diffusé dans la partie francophone du Canada. Non, non. Non, non, je ne On crois va aller pas. voir, on va aller voir sur Amazon. Hein. Je ne sais pas. Alors, après, ça dépend des libraires aussi.
Alors, il y a peut-être des libraires qui ont mes livres, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si Albin Michel, je ne sais pas du tout. Parce que Je peux c'est une liste. aller regarder dans les librairies. Je ne sais pas du tout. Ou sinon, si ils ont pas, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de le faire venir ici en librairie. Donc, s'il y a Oui. beaucoup de demandes en librairie, ben en fait, après ça, ils vont faire un roulement. Donc, on va essayer de faire ça pour lui, Ah, ben, j'en serais très heureux. Ça me fait très plaisir. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est une très, très, très bonne question. Je ne sais pas du tout, là. Cette partie-là, je. On va se renseigner ici, il n'y Bon. a pas de problème. Mais en tout cas, moi, je fais les dédicaces. Après, c'est le coût de l'envoi, en fait, qui augmente parce que ça, il faut traverser, bien sûr, l'Atlantique. Voilà. Ouais. Oh, mais ça, sur le groupe, on est tellement, mais tellement fêlés avec les dédicaces qu'on payer 10 $, 15 $ de plus, c'est même pas. Bah. Bon, en tout cas, bon, si j'ai des demandes, c'est avec plaisir que je dédicacerai Verminer la dissidence des Cancrelats. Oh, merci. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui. C'était tellement intéressant. On a tellement fait une belle découverte, en tout cas pour moi, parce que sincèrement, je connaissais aucunement ton univers. Wow, merci et n'hésite pas à revenir nous voir, s'il vous plaît. Eh bien, moi, c'est moi qui vous remercie parce que de permettre de m'exprimer, de pouvoir présenter mon travail. Et évidemment, pour un auteur, c'est le nerf de la guerre, hein. On est nombreux et je vous remercie là, Andra et ton mari, c'est Dave, hein, je crois, hein. Oui. C'est ça. Voilà, je vous remercie de l'invitation et je remercie Nelly, évidemment, qui a fait l'entremetteuse. Et moi, je suis ravi, hein, d'avoir pu comme ça. Parler avec nos cousins québécois. Voilà, Oui. j'ai beaucoup d'estime. Alors, je vais pas faire le, c'est pas le faux cul ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'estime pour le Québec parce que vous défendez mieux la langue française que nous. Voilà. Ouais. On essaie fort. Ouais. Et Cependant, ça. il y a des mots anglophones qui parlent dessus un petit Je vois ça. Je vois ça. Mais je vois aussi que vous la défendez bien souvent, bien mieux que nous. Et j'ai beaucoup de tendresse pour le Québec. Je n'y suis jamais allé, mais j'aimerais faire ça un jour. Ouais. Tu es la bienvenue et je peux te garantir que si tu dis sur le groupe que tu vas venir au Québec, tout le monde va dire Bon, « Oh, viens à la maison! » je ne serai pas à la rue, alors c'est très bien. Oh non, aucunement. Bon, c'est très Un gentil. gros, gros, gros merci. Et merci à tous ceux qui étaient avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à aller vous informer en librairie si on peut faire venir ces romans. Et sinon, il y a la version numérique, bien Oui, sûr. Voilà. Sinon, également. bien sûr, il y a la version digitale, enfin numérique, où là, bon, on n'a pas besoin du. Enfin, on peut lire sur sa tablette. Voilà. J'ai oublié de préciser. Il existe bien sûr les deux. Je les remonte à chaque fois, c'est le plan marketing. Sont tellement beaux. On peut évidemment les lire en numérique. Merci. Un gros, gros, gros merci. Ah, et Mélanie Bodies qui dit deux très bons romans et vivement ton troisième. Ah, merci. Merci beaucoup. Ben, je tiens à remercier à toutes les personnes qui sont venues, même par curiosité, pour m'écouter. C'est que les gens consacrent de leur temps pour me découvrir, c'est toujours très flatteur. Je les en remercie, puis ceux qui ont posé les questions. Voilà. Merci énormément. Bonne Voilà. soirée, bonne nuit et je te souhaite une belle semaine à toi. Merci à vous encore et à très bientôt. Merci, bye bye. Au revoir.